الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le mentionner et de l'évoquer et a promis à celui qui agit ainsi d'énormes récompenses. Il a dit subhanahu wa ta'ala « Fadhkuruni yadhkurkum » « Mentionnez-moi, je vous mentionnerai ». Et quelle récompense est meilleure que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne après que tu l'aies mentionné. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on mentionne son nom et qu'on l'évoque et qu'on se souvienne de lui à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, le plus souvent possible. Il a dit subhanahu wa ta'ala « Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila » Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation importante et sanctifiez-le soir et matin. Il a aussi ordonné, subhanahu wa ta'ala, qu'on le mentionne et qu'on l'évoque dans les moments les plus difficiles et les plus dangereux, les moments dans lesquels on pense à tout, sauf à Allah, subhanahu wa ta'ala. À quel moment, de quel moment s'agit-il? Sur le champ de bataille, lorsque l'on rencontre l'ennemi, pendant la guerre. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullah, idha laqitum fi'atan » فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez un groupe, c'est-à-dire sur le champ de bataille pendant la guerre, فَثْبُتُوا soyez fermes, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Et mentionnez Allah beaucoup, évoquez Allah beaucoup afin de réussir. À un moment où la personne ne cherche qu'à sauver sa vie et ne pense qu'à survivre, Allah lui demande de le mentionner, de l'évoquer. Comme le faisaient les Arabes avant l'islam, ils se vantaient de mentionner le nom de leurs amoureuses sur le champ de bataille au moment où leurs ennemis voulaient les tuer. Et parmi les exemples donnés dans ce genre-là, la parole de Antaratu ibn Shaddad, ce grand combattant qui a vécu avant l'islam, qui était éperdument amoureux d'une fille qu'on appelait Abla. Et alors qu'il était sur le champ de bataille et que les flèches tombaient sur lui comme la pluie et que les ennemis l'encerclaient de toutes parts avec leurs lances et leurs épées, il a vu son propre sang couler sur la lame d'un des sabres d'un de ses ennemis. Et au même moment, la lumière du soleil a frappé ses yeux en reflétant sur cette épée-là. Alors il a dit « وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِدٌ » مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمي Il a dit j'ai pensé à toi en parlant de sa bien-aimée Abla والرماح نواهد alors que les lances sont plantées à côté de moi وبيض الهند تقطر من دمي et les glaives, les épées, les sabres perlaient de mon sang. J'ai alors pensé, Fawadit tout akbil as-suyufi, j'ai voulu embrasser les épées, car elles ont resplendi comme ton sourire, comme l'éclat de tes dents lorsque tu souris. Donc si avant des gens qui adoraient des statues avaient le mérite d'évoquer celles qu'ils aimaient le plus sur le champ de bataille, alors qu'ils risquaient leur vie, alors encore plus le croyant doit évoquer et mentionner Allah qui doit être aimé auprès de lui par-dessus tout. Aux moments les plus difficiles qu'il rencontre. Et dans l'année, il y a des moments qui sont plus importants que d'autres, qui sont meilleurs que d'autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du mois de Dhul-Hijjah et que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année et que les actions qui y sont accomplies sont les meilleures. Et si les actions en général sont meilleures durant ces jours-ci que les actions en dehors de ces jours-ci, alors le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'est encore plus.
C'est pour cela qu'il a été légiféré durant ces jours-ci de multiplier au maximum l'évocation et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il fait référence dans le verset lorsqu'il dit « Wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat » et afin qu'il mentionne le nom d'Allah dans des jours connus. Et ces jours connus sont chez la majorité des savants les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour dans lesquels l'action est meilleure auprès d'Allah et plus aimée que durant ces jours-ci. » Multipliez alors le fait de dire « La ilaha illallah », le fait de dire « Allahu Akbar » et le fait de dire « Alhamdulillah ». Et parmi les différentes façons d'évoquer Allah et de le mentionner, celle qui doit le plus se faire entendre dans la bouche du croyant, c'est le takbir, le fait de dire « Allahu Akbar ». Au point où beaucoup de savants ont dit qu'il fallait le dire à voix haute et se faire entendre où qu'on soit, même dans le marché. Il a été rapporté que Abdullah ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu anhum se rendaient au marché seulement pour proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar afin que les gens les entendent et répètent après eux. Comme Yazid ibn Abi Ziyad a aussi dit avoir vu Saïd ibn Jubayr et Mujahid et Abdurrahman ibn Abi Layla et les savants parmi les gens dire pendant ces 10 jours-là Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une époque où ces choses-là sont devenues étranges, sont devenues rares, et parce que la plupart des gens les ont délaissées. Et si aujourd'hui quelqu'un veut le faire, le fait qu'il se sente seul à vouloir agir ainsi, le décourage. Et résultat, il le délaisse. Et résultat, ainsi, une tradition prophétique appliquée en grande quantité par les musulmans depuis toujours, quel que soit l'endroit où ils vivent ou l'époque dans laquelle ils se trouvent, a été délaissée. Et ainsi, lorsqu'on délaisse une tradition prophétique, elle meurt. Et celui qui veut l'appliquer se retrouve comme un étranger au milieu des gens. Mais sachez qu'Allah, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé une bonne nouvelle aux étrangers. Il leur a dit « Touba, lil ghuraba », ceux qui vont faire revivre ma tradition après qu'elle ait été délaissée par les gens. Durant ces 10 jours-ci, mes frères, nous avons le 9e de ce jour-ci, qui est de ces 10 jours-là, pardon, qui sera vendredi prochain. Ce jour-là est le jour de Arafat. Et le jour de Arafat est le meilleur jour de l'année. Comme le prophète l'a dit, alayhi as-salatu wassalam, afdalul ayyam, yawmu Arafah. Et c'est un jour particulier, car c'est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés et il affranchit les croyants de l'enfer. Et il se vante auprès des anges de ceux qui ont le privilège d'être au pèlerinage à ce moment-là. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de jour dans lequel Allah affranchit plus d'esclaves de l'enfer que le jour de Arafat. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche et il se vante auprès des anges de ceux qui sont venus faire le pèlerinage en disant « Ma arada ha'oula » « Qu'est-ce que ceux-là veulent ?» Et dans une version du hadith, il rajoute « Atawni shu'than rubra » « Ils sont venus à moi ébouriffés plein de poussière » « Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum » « Je vous prends un témoin, ô mes anges, que je leur ai pardonné. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa grâce, n'a pas restreint ce pardon seulement aux gens du pèlerinage. Mais il en a fait une généralité pour tout le monde, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais vu le diable aussi avili, aussi humilié, aussi petit et aussi en colère que lors du jour de Arafat. Tellement il voit ce jour-là la miséricorde divine descendre sur les gens et à quel point Allah Ta'ala pardonne ce jour-là d'énormes péchés. Donc celui qui veut qu'Allah lui pardonne, celui qui espère être affranchi de l'enfer, qu'il s'attache et qu'il fasse en sorte de s'accrocher aux causes qui lui permettront d'obtenir cela. Parmi ces causes-là, le fait de jeûner ce jour-ci. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui jeûne le jour de Arafat, je compte sur Allah pour qu'il lui expie les péchés de l'année d'avant ce jour-ci et les péchés de l'année d'après.
Parmi les causes aussi qui nous permettent d'espérer cela, le fait de préserver ses membres, d'accomplir les interdictions durant ce jour-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce jour-là, celui qui préserve sa vue et ses oreilles et sa langue, Allah lui pardonnera, il lui sera pardonné ses péchés. Parmi les choses aussi qu'il faut faire durant ce jour-ci, en particulier, multiplier les vocations de la profession de foi, kalimatu tawhid, le fait de dire la ilaha illallah, avec véracité et sincérité. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. Et la meilleure des choses que j'ai dites moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Craignez Allah, mes frères, et soyez conscients de la valeur du moment de l'année, de la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons, et profitez-en pour la remplir de son évocation et de sa mention, et éloignez-vous de tout ce qui a été interdit. Ainsi, nous serons sauvés et nous réussirons par la grâce de notre Seigneur. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والإكثار من الذكر في هذه الأيام المباركات ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام يوم عرفة ونسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار في هذه الأيام ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وخواتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه أحد الآباء جاءني قبل الخطبة وطلب مني أن أدعو الله تعالى لابنته المريضة التي هي حاليا في المشفى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن ينزل عليها شفاءه العاجل وأن يبدل سقمها صحة ومرضها عافية كذلك إحدى الأخوات توفي أبوها في يعني قريبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمه رحمة الأبرار وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن لا يجعله حفرة من حفر النيران وأن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وماتوا على ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقوم إلى صلاتكم رحمكم الله.